Le voici. Il ah, y a un nouveau Good. petit jingle. Oui. Hein, il, il est juste un petit peu mieux que celui du Parti libéral. <laughs> Est-ce que tu voudrais nous le chanter? On ne comprend rien. Ben c'est ça. Mais <laughs> en plus, hey, je vais juste te rappeler quelque chose. Tu te souviens-tu du groupe Ottawa qui chantait « Haut les mains ouais. »?« Haut Ou les, les, les mains, mains. ». Bon, oh la le chanson le des plus oh si on veut. Ouais. En anglais, c'est « Hands up ». Les autres ils ont fait le contraire. C'était « Hands up », mais… Ils ont traduit ça probablement avec un Google Traduction. On, on les... Mais comment ils disent ça? C'est quoi, non? On lève la main? Même pas? C'est même pas ça. Pas une main haute, excuse-moi. Une main haute. Une main haute. Si on lève la main, on dit une main haute. C'est euh, j... ce qu'on un... appelle traduction simultanée. Pour un, <laughs> un parti qui, qui pond le, le bilinguisme... Euh mur à mur au Canada, euh, ils auraient peut-être dû travailler un peu leur chanson. C'est incroyable. Là. Des détails comme ça qui ont échappé à l'organisation libérale nationale, c'est incompréhensible. Et là, ils vont la refaire? Ben, euh, je, non, non. Les... Que ça coûte? Ouais, mais ça, c'est l'argent du parti, C'est pas l'argent des contribuables. Mais ils n'auraient pas été obligés de faire ça s'ils avaient fait leur travail comme du monde. Voyons donc. Il a pas personne là, dans les dans l'organisation. non, il n'y a pas de francophone là-dedans dans cette organisation-là. Euh... Mettons qu'il il euh, y aurait pu faire mieux que ça. Hein? Ok. Euh, maintenant, euh, hier, c'était lundi. Euh, oui. Bon. Lancement de campagne. Non, euh, il y a eu lancement de campagne. D'abord euh, côté local, oui. on a dit, on, a, on en a parlé. Euh, Bernard Généreux qui lançait sa campagne. Mais au niveau national, euh, rien d'impressionnant. Non, impressionnant, non, rien hein? d'impressionnant. Ah. Effectivement, c'est pas, euh, ça n'a pas été une journée qui a été enlevante pour les amateurs de politique, comme j'en suis un. J'ai rien d'extraordinaire qui est sorti. Euh, c'est euh, la, la, la vieille rétournelle, si on tu, veut. Tu, tu, mais... tout, tout tourne autour de la laïcité, là. Oui, encore, encore, oui, c'est le, le, le sujet de l'heure. Hier, on faisait un peu ouais. le parallèle, José. Euh, Radio-Canada TVA, je me souviens pas lequel, parce que je, je regarde les deux réseaux. Euh, mais on faisait le parallèle un peu avec ce qui s'est passé avec Molker. Euh, oui, oui, oui. Euh, avec le vote voilé. En 2015? Là, on faisait un peu un parallèle avec l'histoire de la laïcité qui, qui est un peu un, un boulet que, 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 que Trudeau doit, doit porter. Là. Oui, absolument. C'est parce que, comme je l'ai dit hier, Justin Trudeau est pris avec la vision multiculturaliste que son père a imposée au pays. Et il ne peut pas s'en sortir. Et il sait que dans le reste du Canada, ça veut dire, hormis le Québec, il y a des gens qui sont beaucoup plus multiculturels qu'au qu Québec. Au Québec, on n'endosse pas réellement cette façon de faire malgré que Québec solidaire, qui se dit nationaliste, c'est pour la souveraineté et multiculturelle, et on veut toujours protéger les minorités. Et c'est correct de protéger les minorités, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier la majorité juste pour les minorités. Et au Québec, dans le Canada, le, les, les francophones, les Québécois, on est minoritaire. Le poids politique du Québec au sein de la Fédération canadienne est à 23-24 environ dans ces eaux-là. Plus que ça avant, plus que le, le peuple québécois se perd dans ce grand pays-là. Mais on est une minorité ou nous autres aussi. Là. Je pense que ce serait peut-être le temps, et la loi 21 est un bon exemple, de penser à nous autres. Là, Je ne te parle pas d'indépendance, je ne suis même pas là. là. Juste de dire qu'au Québec, c'est de même que ça fonctionne. Ça fait depuis la conquête qu'on se fait écraser. Toutes les fois qu'on lève la main, qu'on demande un peu, c'est toujours trop pour le reste du Canada. Là, on se dit, on va se prendre une loi. La loi 21, en passant, c'est une loi qui est modérée. Et je le dis, je me répète, quand les modérés échouent, c'est les extrémistes qui prennent la place. Et tu comptes la loi 21, toi? Non, parce que ça, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Ben Exactement. Là, il y a une loi maintenant, on on pas, a réglé le on, problème. On a réglé le problème parce que ça fait des années avec Bouchard-Taylor. Exactement. On en a tellement parlé. Là, ça, ça règle le problème. On a, la, la loi on 21, c'est simple, c'est le peuple québécois. Et moi, j'aurais pensé qu'on passe à d'autres choses. Mais non, c'est pas ça. Ben c'est parce que. Je me répète encore, Justin Trudeau a dit pour l'instant, pour le moment, on ne la contestera pas. Pour, pour le moment. Bravo. Et euh, on va terminer sur un point qui, qui m'inquiète ce matin. vas euh, Parce qu'avec le président Trump, on ne sait jamais trop. Euh, bon, euh, euh, une journée, il, il parle d'un côté de la bouche le lendemain, il parle de l'autre côté de la bouche. Et en fin de semaine, ouais. il a fait des déclarations le dimanche par rapport à euh, ce qui est arrivé en Arabie saoudite, là, le, 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 les drones là, qui ont euh, causé passablement de dégâts. Et attendez-vous, moi, je vous propose fortement d'aller faire le plein d'essence aujourd'hui. Oui, absolument. Parce que le baril de pétrole a augmenté de 6 depuis hier. Et attendez-vous qu'on va payer la note. Mais euh, ce qui me fait peur un peu, c'est que là, euh, c'est les attaques qui pourraient être les États-Unis contre l'Iran bah oui, pour aller euh, défendre l'Arabie saoudite. Je Moi, je comprends pas pas oui, mais c'est parce que c'est un jeu d'alliance. Et oublie pas une chose, c'est que les États-Unis protègent leurs intérêts. Et ils ont beaucoup d'intérêts pétroliers. Et je ne pense pas que l'Iran ait attaqué l'Arabie saoudite. Je, je n'y crois pas. Mais là, on Son... parle du Yémen, on parle bah oui, mais Yé sont... aussi, Il y a beaucoup de... de, de vous savez, vous avez... des outils, là... Euh... Euh... Alors, il y, y a beaucoup de monde. Je ne de, sais pas de... comment dire ça, mais moi, c'est sûr que je n'irai pas donner une claque sur la baboune du frère du gars qui pèse 400 livres et qui s'entraîne depuis 40 ans et qui est un champion d'or martiaux. Tu me suis-tu dans ma logique? L'Arabie saoudite est, <coughs> est un allié des Américains. L'Iran ne peut pas compétitionner euh, militairement avec les Américains. Penses-tu qu'ils vont faire exprès pour les attaquer pour euh, euh, subir les foudres de Washington par la suite? Je pense que Washington cherche un casubilis, ça c'est du latin, une raison belliqueuse pour attaquer. C'est ce que je pense. Alors, histoire à suivre. Donc, ça complète. Demain, le prof sera avec nous pour les trouvailles du prof, c'est à ne pas manquer. Notre émission d'information sur la Côte Sud. Merci, José. On se retrouve demain. Passez une bonne journée. Risque de gel au cours de la nuit prochaine.